aux trois joueurs du MAHB qui quittent le club. Rémi Salou part pour Tremblay en France. Le gardien Richard Storel rejoint le club russe de Tchekhov. Quant à Mladen Božinović, il rejoint Paris après 10 années passées à Montpellier. 10 ans et pas mal de souvenirs, comme il en témoigne au micro d'Olivier Brachard. Mon premier souvenir quand j'étais capitaine de Montpellier, parce que je suis le premier étranger devenu capitaine de Montpellier, et tout de suite on a gagné tous les trois trophées triplés, Ligue, Coupe de la Ligue et Coupe de France. Et deuxième, c'est sûr, c'est Ligue des Champions qu'on a gagné contre Pamplune. Je suis triste de partir parce que encore saison que je fais, je pense que je pouvais continuer à jouer à cette équipe, mais c'est pas à moi à demander, c'est la vie, je suis professionnel, je vais rester professionnel jusqu'au dernier match, c'est tout. C'est quelqu'un qui aime bien les gros matchs, les grosses ambiances. Voilà, quand c'est chaud, il a prouvé à maintes et maintes fois, voilà, que c'était un match, c'était un joueur qui aimait les gros matchs, qui avait peut-être un peu plus de mal sur les matchs à l'extérieur quand vraiment ça défendait. Voilà, parce qu'on revient sur le truc physique. Mais voilà, c'est quelqu'un en tout cas à Bougnol, il aura fait de belles performances.